famille à moi, c'est lui, c'est toi. La 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 famille à moi, c'est lui, c'est toi. Tu me fais quoi? Non! Moi, je ne comprends pas! Tu me cherches? Non seulement tu refuses de signer l'acte de divorce, mais c'est mes propres enfants que tu montes contre moi! Tiens, c'est pourquoi? C'est le temps de partage. Ah bon, c'est le conseil que Dokoté t'a donné? Dokoté ne m'a rien dit, je dis c'est le temps de partage, tiens! Gohou, tes amis et toi, vous n'êtes que des idiots! Hey. Vous voulez savoir ce qui se passe? Oui! Lis cette lettre-là, revois. Une lettre? Oui, il faut la lire. Mais d'où ça sort? On était tous ensemble, ça sort d'où ça là? Oui, c'est pourquoi au bout arrivé tout à l'heure. Mmh. Oui. Bonjour Kevin. Si tu ne veux pas avoir d'ennui, laisse ma fiancée tranquille. Mmh. Bonjour Lise. Bonjour. C'est une lettre pour toi. Une lettre pour moi? Oui. Qui t'a donné ça? Ah, c'est un petit. J'étais à la cabine et puis il est venu m'a donné ça. Un petit? Mm-hmm. Il t'a pas dit qui... Non, non, il m'a parlé... Il a remis ça? Il m'a parlé d'une autre façon, je sais pas si c'est quelqu'un qui est dans la voiture. Il m'a parlé des trucs bizarres, bizarres, bon, il n'a rien compris. Comme il a dit, lui, c'est bon. Okay, d'accord. Il n'y a pas de problème. Ça va? Ah, oui, oui, oui. Ça va très bien. Et toi? Oh, très, très bien. Mais c'est Kevin qui m'envoie ça. Ah, Kevin, le grand frère est parti là. Mais tu m'as dit que tu ne savais pas qui. Non, moi, j'étais à la cabine et puis un petit m'a envoyé tout. Non, non. Kevin, c'est la leur famille, ils ont l'argent là. Attends, 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 je comprends pas. Aïe. Il dit quoi? Comment Kevin peut. D'accord. Si c'est comme ça que lui prend les choses là, ok, il n'y a pas de problème, il verra. Mais je vais aller montrer cette lettre là à sa soeur Patty et Nastou. Comme ça, elles vont décider de quelque chose. Qu'est-ce que c'est? Pi. Mais qu'est-ce que fâche même, c'est intéressant. Tiens, Nastou, au nom de Dieu. C'est l'info que moi, il a accueilli. Et moi, là, il y a John dans ça. Hey, John. Ça y est, à Pipi. Ça s'est mélangé et puis il prend ça. Monsieur Gou aussi exagère. Hé, hey, Amélie, laisse-le. Il me connaît. Il n'a qu'à tourner en rond. Mais, dans le divorce là, même aiguille, il ne va pas avoir. Hé, hey, clé-clé. C'est pas son grand frère qui arrive là-bas là. Si, c'est lui. Et à moi, sur le noir, la minuit. Il est mauvais. De façon, il m'énerve. Zadito. Cas... Il veut quoi même? Peut-être qu'il s'est trompé du maquis de Leïga. Les mauvaises personnes, même quand tu les vois, tu les. Bonjour, mesdames. Bonjour, monsieur. Bonjour, Zadito. Clémentine, qu'est-ce qui se passe chez vous là? Comme quoi? Mais ton mari vient de m'appeler tout de suite là. Ah bon? Il dit de venir ramasser vos affaires. Vous déménagez. C'est Go qui t'a dit ça? C'est lui qui m'a dit ça. Non, mais attends. Je vais vous dire une chose. Je ne suis rien. Je le reconnais. Mais je suis le grand frère de ton mari, Go. Donc un peu de respect. Vous vous réconciliez et c'est moi que vous choisissez pour faire vos déménagements. Mais ça va pas? Dans où il est même? Dans la maison. Il va m'attendre passer celui-là. Clémentine! Oh, tu as la chance! Amélie, tu as vu ça? Mmh. T'as vu comment Gohou est méchant? Ils sont mauvais il dans a voulu famille. Me doubler.
Hey. Ah, je comprends. C'est deux côtés qu'il lui a mis ça dans la tête. Quoi, par exemple? Il lui a dit que nous, les femmes, là, quand on veut divorcer, on cherche à mettre la main sur tous les biens de nos maris. C'est deux côtés qui a dit ça. Je te dis, j'ai entendu. Voilà, je comprends tout maintenant. C'est pour cela que de côté fait un effort pour ne même pas acheter même un torchon dans la maison. Voilà. Comme ça, notre séparation, moi, Amélie, je n'aurai rien. Hé, Clemso, laisse-moi régler ça. Ça, c'est mon gibier de l'année. Allons. Go. Go. Ah, parfait. Voilà, tu es venu. Où est la bâchée? Je ne suis pas venu à la bâchée, hein. Pourquoi, grand? Toi, il m'assoit. Grand frère. Allez, débâcher. Pourquoi tu n'es pas venu à la bâcher? Tu sais, l'argent, moi j'ai l'argent ici. Lingo. Non seulement tu te réconcilies avec ta femme sans m'avertir. Moi, grand frère. Et en plus, tu m'appelles pour venir ramasser vos bagages parce que vous vous déménagez. Attends, est-ce que tu sais que je suis ton grand frère, Gohou? Donc un peu de respect. Non, grand frère, tu n'as pas compris. Ah bon? C'est vrai, tu n'as pas compris. Clémentine et moi là, on n'est pas au stade de la réconciliation, hein? Non! Pour le moins, on est au partage. Oui, on est au partage. Et tiens-toi bien, tout ce que j'ai acheté avant le mariage, avec mon propre argent que j'ai gagné à la sueur de mon propre front, Clémentine veut venir tout ramasser comme ça, cadeau pour partir. Tu trouves ça normal? Tu trouves ça normal? C'est pourquoi j'ai dit, grand frère, viens avec une bâchée, on va ramasser discrètement les bagages pour partir. C'est tout! Voilà, ça c'est ton problème. Moi je viens de la rencontrer, je lui ai tout dit. Hein. Tu lui as dit quoi? Ah, mais je lui ai dit que je ne suis pas votre chauffeur pour ramasser vos affaires. Aïe, 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 zadi. Tout m'a tué. C'est pour cela qu'on communique. On est ensemble à Biguel si on ne se parle pas. Oh, est-ce que moi je t'ai envoyé? Mais c'est toi qui gâtais tout? C'est le valeur, prendre un camion 20 ans pour venir ramasser tout ce qu'il y a dans la maison ici. Je la connais, tu ne peux plus la retenir. Clémentine va venir ramasser tes affaires ici devant moi. Mais c'est que tu n'as plus de famille. Je vais lui montrer que tu es un grand frère. Gou. J'arrive. Je vais chez Maï. Zadine, nègre. Tu es trop bête. Je me demande pourquoi Dieu m'a donné un grand frère comme toi. Oh là 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 là. My people, how on a day now? Una sabi me now. Na me be the only mama G for general. I bring better tori for una. Na Iroko TV na in the rain. You can watch plenty movies. Pass the one where you feel even buy for markets. Log on to irokotv.com. You know name internet. Where you worry yourself? Eh? Go log up to irokotv.com. Begin watch movies, y'all. Don't mind them. De côté, où il est? De côté, sors ici, hein? Vous êtes mauvais, en tout cas, tu es mon gibier de l'année. C'est quoi? Tu cries, on dirait que tu as vu le diable en personne. Oui, je l'ai vu en personne. Ah bon? Oui. Et il est où? C'est toi, de côté. Et lui, au moins, n'est pas ami. C'est toi, le diable incarné. Moi, il y a quand même du diable. Oui, tu es le diable même. Qu'est-ce que tu allais raconter à M. Gohou? Hein? Tu veux savoir? Je veux tout savoir. Très bien. Je veux tout, absolument tout savoir de côté. Eh bien, qu'est-ce que tu allais lui dire? J'ai dit à M. Gohou de faire très attention à son divorce. Et pourquoi? Parce que vous, les femmes, vous êtes diaboliques. Vous prenez tout votre temps en train de faire des calculs bizarres. Parce que vous ne faites pas de calculs, vous? Non, on ne calcule rien. Si un homme de 80 ans avec une petite fille de 20 ans, tu sais ce que la petite calcule? Quand est-ce que monsieur va mourir, comme ça je vais prendre son héritage, ou bien de toute façon j'ai avec lui, mais j'ai mon petit géniteur ici, c'est tout. Rien que des calculs d'intérêt dans vos têtes. Oh. Bon, parce que ton vieillard là, lui ne fait pas de calculs en sortant avec la petite fille de 20 ans là. Si. Alors? Il calcule. Mais lui il est positif. L'amour, la tendresse. Pendant ce temps, vous c'est escroquerie qui est dans vos têtes. Depuis la nuit des temps, vous les hommes là, vous êtes escrocs. C'est quel homme qui t'a nous fait escroquer même toi? Toi, de côté. Moi. En particulier toi, du tout toi et ta famille. Moi, il y a oui, toi de côté. Tu vis ici là, je te nourris, je te blanchis, je fais tout. Qu'est-ce que tu m'apportes dans la maison? Pas déplacer le débat. Je vais déménager l'affaire. Ah bon? Tu m'entends? Je vais déménager l'affaire à partir d'aujourd'hui. Toi, de côté,
tu vas acheter une maison, tu vas la meubler. Et moi, Amélie, j'irai habiter là-bas avec toi. Plus question de vivre ici avec moi. Comme ça, si on se laisse là, je récupère la maison et c'est tout. C'est de ça que je parlais là, afin de calculer d'intérêt escroquerie. Eh bien, frère, je m'en fous. Si je calcule, où est ton problème? Ça va. Où est ton problème? Attends, arrête ça. Amélie, supposons que l'homme et sa femme, ils sont mariés légalement. La femme habite chez l'homme. Si monsieur décède, les biens reviennent automatiquement à la femme. Ça, c'est normal. D'accord. Mais quand l'homme habite chez sa femme, que madame décède, il ne gagne rien. Souvent, on le traite d'escroc, de tout. La famille de madame même fout le monsieur dehors. Ah, c'est la loi qui le veut ainsi. Et c'est comme ça de côté. Ah bon? Oui. C'est la loi? Oui, c'est la loi. Bien. Je dis, affaire de loi, à partir de maintenant, d'un côté, nous les hommes, on sera à Abidjan Sud. Vous, les femmes, à Abidjan Nord. Sur les deux ponts là, on met force tampon. On va voir qui va nager pour venir rejoindre son camarade. Oh, vous allez nous respecter un jour. C'est vous les hommes qui ne tenez pas. On peut tenir. Oh, pardon. Toi, c'est ta bouche qui va te tuer. Tu ne changes jamais. Oh, nous on va nager, nous les hommes on va nager pour rejoindre quand même. Hey. Bonjour mamie, ça va ici? On fait comme si ça va. Ah bon? Ma fille, ne t'en fais pas. À partir de maintenant là, tout va rentrer dans l'ordre. Tu m'entends? Ne t'en fais pas. Tes gens là sont là. Ah, ils sont dedans là-bas. Mais. Gars, quand on dit la tête tourne, là, c'est vrai. Aujourd'hui, mamie m'appelle sa fille. Elle fait partie de la famille. Ici encore. Moi, je vais m'asseoir ici. Là où elle est, va me la chercher. Mamie, celle-là et moi, on ne se parle pas. Attends, je vais appeler son secrétaire. Théisson! Oui. Viens. Ah, mamie. Bonjour, mamie. Bonjour, Théisson. Oui. Je veux que tu appelles ta patronne. Ah, d'accord. Mamie, viens. Beau, où est Zalito? Ton frère est noir, on dirait minuit là. Mais tu es mauvais. Alors comme ça, tu allais ramasser les affaires à mon insu. Nos affaires. Ah, c'est devenu nos affaires. Mais oui, ce sont nos affaires. Ah bon? Et puis tu voulais tout ramasser sans m'en donner là. Mais j'ai pris quoi? Le canapé, la table à manger. Et la bibliothèque? Oui, mais en ramassant tout cela, moi, il me reste quoi? Oh, je m'en fous! Il te reste rien et puis après, tu m'as marié pour quoi? Attends. Je t'ai marié pour moi et non pour mes affaires. Les affaires y compris. Tu as compris? Les affaires y compris. Oh. Regarde-moi ça. Mais vous, les hommes, vous êtes méchants, hein? Vous nous gardez dans vos maisons. Vous nous utilisez jusqu'à... Vous nous amortissez même. Et après, vous nous jetez comme de vieux slips. Alors, monsieur, je me suis dédommagée. Ah. Voilà. Théisson? Théisson, je t'ai dit, quand il y a des visiteurs, il faut les installer au salon. Je l'ai déjà dit, non? Oui, madame. Ce n'est pas lui qui m'a installé ici. C'est moi-même qui me suis assise là. Bonjour, belle-mère. Bonjour. La vieille. On n'a pas assez énervé pour ça. Ici, là, c'est une salle à manger. Et lorsque tu arrives et qu'il n'est pas l'heure de manger, tu dois t'asseoir au salon comme tous les autres visiteurs. Est-ce que ça, c'est difficile à comprendre? Oui, c'est même trop difficile à comprendre pour moi que dans ma propre maison, il y ait des endroits où je dois m'asseoir ou je ne dois pas m'asseoir. Si je veux même, je nage. Belle-mère, une maison, c'est toute une organisation. Et je crois qu'on a suffisamment parlé de ce sujet. On ne va pas revenir là-dessus à chaque fois que tu viens rendre visite à ton fils. Ok? Et d'ailleurs, quand tu dois venir ici la prochaine fois, préviens-moi, il y a un téléphone. Tu appelles pour nous dire que tu arrives.
Tu ne débarques pas n'importe comment pour venir déranger les gens dans leur foyer. Qu'est-ce que ça veut dire? Parce que je dois prévenir qui? Il y a moi. Je vais te dire une chose. Jamais une des femmes de Poiré ne m'a parlé comme ça. Et même Delta qui est mariée légalement ne m'a jamais parlé comme ça. Toi, tu peux parler de Delta en ces thèmes-là aujourd'hui? Toi? Delta la mauvaise, Delta la mégère, Delta la ceci, la cela. Aujourd'hui, tu vas citer Delta comme un exemple ici? Hé, hey, belle-mère, toute la nation sait que tu n'aimes pas Delta. Oh, ça aussi, c'est pas ton problème. C'est mon problème. Tu penses pouvoir venir diriger mon foyer comme tu l'as toujours fait? C'est pas avec moi, hein? De toutes les façons, j'attends Boyeri ici. Il viendra me dire de nous deux qui l'a mise au monde. C'est la chanson de toutes les belles-mères. On l'a écoutée, réécoutée, dansée et redansée. La vieille, ça là, c'est terminé maintenant. Si ton fils a fait 9 mois dans ton ventre, moi aussi j'ai fait 9 mois dans le ventre de ma mère. Donc autant tu aimes ton fils, autant ma mère m'aime. Toutes les mauvaises belles-mères, associez-vous pour concevoir une autre chanson. Parce que celle-là, le disque est rayé, changé de disque. Parle seulement. Ce qui est sûr là, tu vas partir d'ici. Ma vieille, j'ai bien peur pour toi. Hé, hey, monsieur, vous faites bien de venir. Madame et votre maman sont en train de faire parler dedans. Ça chauffe, hein? Vraiment. Parce que ce que je fais, Boiri. Oh, la vieille, tu ne peux pas faire ça avec lui. Boiri, c'est mon chéri et je l'aime. Oui. J'ai bien peur qu'il t'interdise de mettre les pieds. Oui, mais moi aussi, c'est mon fils. Tu m'entends? Maman, qu'est-ce qui se passe? Pose plutôt la question à ta chose, là. J'aurais dit lui que non, je ne suis pas une chose. Mais si, tu n'es qu'une peste qui est venue empoisonner la vie de mon fils. Je vais te dire quelque chose. Tu vas partir d'ici. Non, maman, tu vas un peu trop loin. Si c'est comme ça que tu veux faire, je préfère que tu ailles chercher ton épouse. Parce que tu es un homme marié. Jusqu'à preuve du contraire, le divorce n'a pas encore été prononcé. Mademoiselle, mon fils est un homme marié. Poiri est marié légalement. Et toi, je te donne jusqu'à demain pour la vider d'ici. Non, maman. Non, attends, j'ai dit, viens là. Michel, attends d'abord, viens. Pourquoi tu es fâché? Toi, on dirait que tu es fâché avec moi. Qu'est-ce qu'il y a? My name is Namesi Johnson. Now this is to inform all Nollywood lovers. So we don't get new level where we take the watch Nollywood movies for internet. The people we get Nollywood love on YouTube, now bring this new level and it's called irokotv.com. For you to watch your favorite Nollywood films, whether an old film or on a new release or on a timeless classics, all of it, we got it in stock for you. No hidden charges and no risk for you. Just go to irokotv.com and register. Mais je vous attends. Oui, le camion là, ouais. Venez, je vais prendre le même. Qu'est-ce qu'il y a? Ça fait une heure. Ah bon? Vous n'êtes pas loin? Ok, merci. Attends, c'est camion pour prendre quel meuble? Pour prendre quel meuble? Ouais. Pour prendre le canapé. Quel canapé? Celui-là. Attends, tu ne touches pas ce canapé. Pourquoi? J'ai acheté ce canapé avec mon premier salaire. Et quand je l'achetais, tu ne savais pas qu'il existait un monsieur qu'on appelait Monsieur Gold dans ce monde. Je m'en fous. Donc, tu touches pas ce canapé là. Je m'en fous, allez, lève-toi. Non, attends, lève-toi. Je dis tu touches pas ce canapé. Bon, Clémentine, Cré-Cré, viens t'asseoir. Je m'assois pas, c'est pourquoi. Viens t'asseoir, on va arranger ça à l'amiable. À l'amiable? Oui. C'est-à-dire? Viens t'asseoir là, chérie. Il faut bien parler. Assieds-toi. Ce qu'on va faire, hein? Regarde, c'est comme ça que Satan rôde autour des unions. Mm-hmm. Et dans cette situation, nous sommes obligés de nous resserrer les coudes pour résister. En quoi faisant? Non, mais parce que, toi, il faut qu'on évite le piège de l'ennemi. Mm-hmm. Et pour éviter ce piège-là, nous serons obligés, mais par stratégie, hein, nous serons obligés de nous séparer momentanément. Attends, Michel, tu veux me dire que tu prends parti pour ta mère, c'est ça? Il ne faut pas prendre ça comme ça. Mm-hmm. Tu vois, j'avais peur de ça. Je savais que tu allais prendre ça en mal. Non, faut pas tout considérer. La vieille, elle a trop parlé même, mais c'est sa façon à elle de dire les choses. Mais quand même, il y a une petite part de vérité là-dedans. Tu sais toi-même que le divorce n'a pas été prononcé. Mm-hmm. Et dans ce cas, moi, j'avais pas le droit de faire venir une femme dans la maison, vivre avec elle. Et en plus, en présence de mes enfants. Michel, il a donc fallu que ta mère vienne dans cette maison pour que
tu te rendes compte que tu étais en train de prendre un risque en vivant avec moi? Malou. Il a fallu que ta mère se présente ici. Malou. Pour que tu te rendes compte que tu dois me mettre dehors parce que monsieur n'a pas encore divorcé. Je te mets pas dehors. Ah, Michel. Tu vas me dédommager et je vais partir. Je crois que ça va. Non, d'accord, d'accord. Non, de toute façon, on ne se fâche pas. Hein? Tu vas calmement me dire ce que tu veux. Et puis, bon, je vais m'y atteler. Ce que je veux. Ah oui, oui, mais dans un premier temps, tu vas quitter la maison. Il faut donc que tu m'achètes une maison. On va trouver la maison. On va trouver la maison, mais bon, en attendant, il va falloir que nous parvenions à te faire partir d'ici. Mais nous allons, non, on va le faire. Pas parce que je veux absolument que tu partes. C'est une stratégie qu'on adopte. Attends. Donc je m'en vais comme ça. S'il te plaît. Non, je veux comprendre quoi. Non, je dois partir comme ça. Bon, on se calme. Hein? On se calme. Attends. Je t'ai expliqué la situation. Tu m'as expliqué quelle situation, Michel? Donc, si je veux bien comprendre, tu m'as utilisé pour te réconcilier avec ta femme, en fait. Pourquoi tu dis ça? Non, tu m'as utilisé pour régler tes problèmes avec ta femme. Et ta mère, cette mégère-là, qui est incapable de s'occuper de son mari à la retraite au village, et qui n'a pas fini de signer des autographes dans ton foyer et sur chaque femme, Michel, c'est celle-là qui vient pour que tu puisses me mettre dehors. Ah tiens, ok, je vais partir. Mais ne te réjouis pas. Oui, parce qu'avec moi, on ne règle pas les choses d'être. Mais c'est quand je serai dehors que tes emmerdements vont commencer. Parce que gare à toi, Michel, si tu ne respectes pas un seul engagement. Tu veux respecter? Et non, je vais respecter. Sinon... Je vais t'emmerder au point que tu pètes ta queue. Marie, pourquoi tu te fâches? Libère-moi là. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Tu viens empester tout l'environnement, mais on peut même pas respirer. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Hein? Arrangeons ça à l'amiable. À l'amiable. N'écoutons pas les gens dehors. À l'amiable. À l'amiable. Tu ne veux plus divorcer. Non. C'est vrai. Moi, je n'ai jamais voulu de divorce. C'est mes gars là, mes gens là derrière moi, ils sont chauds, il faut divorcer. Je ne sais pas ce qu'ils trouvent dedans. Hein? Moi, je t'aime. Tu vois, non? Il me faut. C'est-à-dire, restons ensemble, chérie. Tu vois? Tu vas me manquer si tu t'en vas. Moi, sincèrement, hein, je t'aime. Moi aussi. Tu vois? Oh non, rien ne va nous séparer. Et tu vois, cette tendresse-là, mm-hmm. C'est ça qu'il me faut. Donc, tu vois, oh là là! Oh là là! Taïson? Oui, madame. Après, il faudra monter dans ma chambre pour ranger le reste de mes affaires. Je viendrai les chercher plus tard. Où est-ce que vous allez, madame? Chez moi. C'est pour longtemps? De quoi je souffre? Je suis... Bande d'hypocrites. Éléonore, viens, Éléonore. La maison est libérée. Tu dis quoi? La maison est libérée. Madame est partie. La femme est partie. Elle est partie. Descends, tu dis quoi? Elle est partie. Nassou. Oui. Descends. Descends. La maison est libérée. Nassou, on a eu notre deuxième indépendance. Viens. Quoi? La femme là est partie. Elle est partie. Elle est partie. Elle vient de partir. Comment ça, elle est partie? Elle est partie. Elle est partie. Déraciné comme ça, comme un baobab dehors! La vie elle est... On est libéré! Libéré! Jésus-Christ, ça va libérer! Ta vie! Ta vie! Ta vie! Ta vie! On est libéré! Celle-là. Elle est venue. Qui vous a appelé? Aïe. Aïe. On l'a vu là avec la bâchée pour ramasser toutes tes affaires. J'ai dit qui vous a appelé? Je ne sais pas si vous êtes venu avec quoi. J'ai dit qui vous a appelé? C'est qui? C'est pas toi-même qui m'a dit de dire à Zadito d'envoyer une bâchée pour ramasser tes affaires.
C'est pas toi qui as dit ça. Maï, tu es bête. Tu es bête. Tu es trop bête. Vraiment, dans ta tête, là, il y a quoi? C'est un désert dans ta tête. Un désert chaud. Tu ne réfléchis pas. C'est quoi? Je vous ai fait quoi? Ce couple-là vous a fait quoi? Pourquoi vous voulez qu'on se sépare absolument? Pourquoi? J'ai dit, entre Clé-Clé et moi, là, c'est comme le bois et l'écorce. Entre le bois et l'écorce, on ne peut pas mettre le doigt. Mais toi, Maï, tu veux mettre tout ton bras, tu ne vas jamais y parvenir. Vous voulez nous séparer, mais jamais vous n'allez... Non, c'est fini ça. Go-Michel oh. Go-Michel. C'est quoi? Si on pouvait ajouter mouton sur ton nom, c'était bon. Ajoute cabri. Mouton est petit. Ajoute cabri. Ça veut dire quoi ça? Attends, vos oignons, c'est quoi? Moi, je n'ai pas droit au bonheur. Est-ce que je n'ai pas droit au bonheur? Mais... Répondez-moi. Laissez-moi en paix. Laissez-moi vivre ma vie. Chérie, lève-toi, allez en chambre. Ça veut dire quoi ça? Allez. Grand frère, tu as vu non? Aujourd'hui, je vais frapper le bandit. Je la laisse pas. Je te fous en prison. Si tu la touches, toi-même, je